ville de Tenkodogo est une des villes secondaires du Burkina Faso qui est située à 200 km au sud-est de Ouagadougou, la capitale. L'accès à l'eau potable et d'autant plus à l'assainissement est très faible dans les villages de Tenkodogo. En moyenne, on a une accessibilité à l'eau potable d'environ 65%, avec des fois pour les habitants plus de 5-6 km à faire à pied pour aller tirer de l'eau dans les puits. Au niveau du taux d'assainissement, ce taux est encore plus faible puisqu'on atteint seulement environ 4% en moyenne de taux d'équipement en matière d'assainissement. Le Burkina Faso et Chinon avaient un comité de jumelage déjà depuis 1975. Et ce comité de jumelage s'est transformé en coopération en 2006, avec la volonté des élus de chaque ville. La ville de Chinon, sur son territoire, a une association, le Chinon Amitié Internationale, qui intervient sur la ville de Tenkodogo. Et dans sa communauté de communes, elle a une ville, la ville de Rivière, qui intervient à Ouegedo, qui est un des villages de Tenkodogo. De son côté, la ville d'Étole a elle aussi sur son territoire des associations qui interviennent à Tenkodogo. Chacun mène des actions qui sont parfaitement identifiées. Et au travers des programmes, en fait, on a pu commencer à fédérer un petit peu toutes ces énergies, trouver des passerelles, des cohérences d'un projet à l'autre. D'un commun accord, les trois collectivités ont accepté de travailler sur ce programme commun, ont choisi d'intervenir plus tôt dans les villages et ont décidé de mettre en place en fonction des besoins, d'une part d'améliorer l'accès à l'eau potable en privilégiant les écoles. 9 projets ont été réalisés, mais également en mettant en place des latrines scolaires, donc des toilettes, dans les écoles. Et puis également, dans le cadre de ce programme, de mettre en place des latrines familiales, une toilette par concession. Et c'est près de 213 latrines qui ont été réalisées. L'idée est de faire participer la population locale à la construction de ces latrines, parce que s'ils participent humainement et financièrement, il y a de fortes chances pour que d'abord ils soient convaincus de la nécessité de faire des latrines, que ces latrines soient utilisées par les habitants et surtout qu'elles soient entretenues par les habitants eux-mêmes. On est sur un partenariat qui est tripartite entre la ville de Chinon, la ville de Tenkodogo et la ville d'Étole. La ville de Chinon dépend du bassin de Loire-Bretagne et la ville d'Étole dépend du bassin Adour-Garonne. Donc on a pu se rapprocher des deux agences et pouvoir fédérer en fait et créer un effet levier entre les financements, les deux agences ayant accepté de financer à même hauteur. Donc on peut sur ce projet voilà, travailler, rassembler les énergies et les effets des deux financements, ce qui est très intéressant. C'est la mairie de Tenkodogo qui reste maître d'ouvrage de l'opération. Chinon et Étole viennent en back-office pour apporter des fonds financiers et pour aider les équipes et former les fonctionnaires de la ville de Tenkodogo pour gérer ce type de programme. En fin de compte, ces opérations de coopération décentralisée suscitent plus l'interrogation dans un premier temps qu'une part d'acceptation. Les gens s'interrogent en disant mais qui dit coopération dit investissement, et qui dit investissement, est-ce que c'est réellement nécessaire d'aller investir à l'extérieur alors que l'investissement local est aussi important. On remplit notre part d'accompagnement et de mission, alors évidemment à la taille qui est la nôtre, hein, Chinon c'est une petite ville, mais qui je crois peut être fière du programme qu'elle a engagé avec le Burkina. On n'est pas dans une coopération humanitaire qui intervient partant de crise. On est vraiment dans une relation professionnelle d'appui à la mise en place de collectivités locales au Burkina Faso. C'est une coopération basée sur l'échange et le transfert de compétences. Transfert de compétences qui peut être aussi bien du nord vers le sud, mais également du sud vers le nord.